Qu'est-ce que la gnose Déjà, la question est un piège, puisqu'aujourd'hui, on parle de plusieurs gnoses, de gnosticisme au pluriel. Mais qu'est-ce qu'ont toutes ces gnoses en commun on, on accepte en général que la gnose est une connaissance particulière, non pas une connaissance sacrée, une connaissance mystérieuse, une connaissance cachée, une connaissance qui libère. Et on pourrait dire que ce que la plupart des gnoses ont en commun, c'est un enseignement euh, qui essaye de retourner aux sources, aux sources du monde, aux sources du cosmos, aux sources de l'homme, aux sources du malaise de l'homme face à Dieu, à la nature, à lui-même. Et c'est exprimé par un dualisme. C'est-à-dire qu'elle présente un Dieu bon, généralement appelé le Père, et un démiurge, qui est donc euh, l'origine du mal dans le monde du péché en l'homme, euh, de tout ce qui est différent. Et ceux, et les gnostiques, présentaient donc ce démiurge, parfois appelé Yaldabaoth, parfois Samaël, parfois d'autres noms, présentaient ce dieu, ce démiurge comme étant un faux dieu et dans leur rhétorique, eh bien, ils présentaient ce faux dieu comme étant euh, celui que le peuple prenait pour un vrai dieu. D'où la difficulté du message gnostique et, les, et les, la difficulté d'accepter, puisque ce qu'on prenait pour un dieu était présenté par les gnostiques comme un faux dieu. Ce monde n'est qu'un monde de morts et de cadavres. C'est un enseignement qui libère et qui présente une réalité du monde dans une vision gnostique qui est un vrai dieu et un faux dieu. Deux natures. Deux natures dans le monde une divine, une mortelle. Deux natures en l'homme une divine. Une mortelle. Ce qui est intéressant par rapport au dualisme qu'on pourrait trouver dans, dans, dans le masdéisme, par exemple, c'est que le gnostique appuyé sur un aspect particulier c'est que, que ça n'est pas simplement euh, ombre et lumière, ciel et terre, euh, divin et mortel, esprit et corps, mais que cette deuxième nature, la nature mortelle, le monde de la mort, eh s'oppose farouchement au monde de la vérité. Aujourd'hui, on est à peu près euh, sur la base des textes qui nous sont parvenus euh, entre le deuxième et le e siècle. Et ce qui est curieux, c'est que dans ces textes, il est fait énormément référence à l'Ancien Testament, aux apôtres et à Jésus, mais très rarement aux Évangiles. Donc, il est très probable que la gnose chrétienne soit apparue au premier siècle, donc avant. Euh, avant les textes qui, nous sont, qui, ont été, euh, qui ont été écrits plus tard dans les différentes écoles gnostiques. Euh, on peut même aller plus loin dans la réflexion. Euh, à quel moment, dans le premier siècle, la gnose est apparue Eh bien, il serait intellectuellement honnête de se poser la question si la gnose n'est pas apparue avec les propos et les paroles de Jésus. Donc, avec les premiers apôtres de Jésus-Christ. C'est-à-dire les quatre évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, les actes des apôtres, officiellement. Mais ce canon n'a pas été établi euh, dès, dès l'an 30 ou 33. Ce canon a été établi dans les siècles qui ont suivi. Donc, est-ce que les propos gnostiques sont sortis directement dans la bouche de, Jésus, de la bouche de Jésus si ce Jésus a existé C'est ce qu'affirme, ou c'est ce, ce dont témoigne l'évangile de Thomas, qui est un ensemble d'une centaine, 104 ou 108 logions. Qui sont euh, paroles de, de Jésus. Alors, si on veut étudier la gnose, et en particulier la gnose chrétienne, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier les évangiles, qui reprennent les propos et la vie et, et de Jésus, comparer les différences entre les évangiles, préférer, à mon sens, l'évangile de Marc, qui est sans doute très proche d'écrit originel, complété avec les actes des apôtres, si on veut, et. Euh, et puis lire ce qui nous est parvenu, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, et, et principalement l'apocryphon de Jean, qui est dans le codex des, des livres de la Gamadie, et qui est un écrit euh, très ancien, qui sans doute développe pour la première fois une, as, un, une approche cosmogonique euh, de, de la gnose, enfin d'une gnose de l'époque. À savoir que dans les propos de Jésus, on peut, on peut reconnaître qu'est-ce qui est gnostique. Mais on ne reconnaîtra pas tous les développements cosmogoliques, cosmologiques qu'on retrouve dans les textes de Nagamani. Pour le Candide, le terme gnose est un terme un peu sulfureux, parce qu'en fait, c'est surtout connu, parce que c'était des textes qui ont été combattus férocement par l'Église naissante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces textes pour qu'ils aient été combattus aussi avec une. D'une manière aussi virulente. Une virulence, ben c'est que les propos étaient virulents. <laughs> euh, qu'est-ce qui s'est passé bon, Il faut y retourner pour ceux qui savent voyager dans le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, On reprend le, on prend les évangiles et on regarde quelles sont les phrases sulfureuses de Jésus, même canoniques. Parmi ces phrases sulfureuses, on retrouve dans, dans l'évangile de Jean Jésus qui, qui parle à la foule en leur disant, vous êtes les fils du diable. Votre Père est le diable. Votre Père est, est menteur et Père du mensonge. Donc, quand on entend quelque chose comme ça, par rapport aux autorités de l'époque, eh bien, on est, on est un peu troublé. Euh, d'autres propos, je les tire des évangiles, délibérément, euh, d'autres propos, mais qui sont dans le même style, et qui sont très, très délicats, enfin, pas des évangiles, mais d'une lettre de Jean, je pense que c'est la première lettre de Jean, où Jésus dit, euh, « Réjouissez-vous, parce que le monde vous est. Et en fait, que veut dire cette phrase Donc on, on sent dans les propos de Jésus, rapportés dans, dans cet épitre de Jean, que Jésus parlait de deux mondes. Un monde de la mort, qui vit sous un ancien Dieu, et qui est donc le faux Dieu des, des Gnostiques, et il parle d'un autre monde le monde de ceux qui ne font pas partie de ce monde. Comme il est dit, il est dit dans l'Évangile de Jean, dans le prologue de l'Évangile de Jean, il est venu dans ce monde, ou il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais, à ceux qui l'ont reconnu, etc., ils sont redevenus fils de Dieu. Donc, euh, c'est cette présentation extérieure, très radicale, d'un faux Dieu, d'un monde, monde, euh, monde de mensonges. Et plus précisément, que les autorités, euh, entretiennent le mensonge et l'illusion, et sous-entendu, s'opposent farouchement à la vérité. Sans doute, le catharisme est apparu vers le XIe, XIIe siècle, peut-être le Xe. Ce qui est curieux, c'est qu'il se soit développé très très vite, au moment où il est apparu en France, à l'époque du, du retour des Premières Croisades. Donc on peut même imaginer que. Euh, un certain nombre de, non pas de chevaliers croisés, mais de tous les hommes que les chevaliers croisés ont emmenés avec eux, et eh bien pendant ces croisades, ont rencontré des gens là-bas, et notamment les chrétiens d'Orient, de l'époque. Et en revenant, en ont emmené quelques-uns avec eux, en se disant, ben, il y a une autre façon de vivre le christianisme, et euh, peut-être, je ne suis pas historien, hein, peut-être que ça explique. Que pourquoi dans le sud de la France, aussi rapidement, des maisons cathares sont apparues à gauche, à droite Et cet enseignement, qui était un enseignement radicalement différent de, de l'église institutionnelle organisée catholique romaine de l'époque. Euh, alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, cet enseignement ben Il avait ce dualisme. C'est-à-dire que ce monde est géré et dominé... Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais il reprenait le, le concept « ce monde est dominé par les archontes ». Et à l'époque des cathares... Qui étaient les arcontes ben C'était l'Église dominante qui imposait son dogme et ne favorisait pas du tout la, la liberté d'esprit, la liberté de croire et la liberté de, de témoigner d'un comportement euh, qu'ils appelaient du parfait chrétien. Dans le catharisme, et on parle souvent de catharisme euh, mitigé, radical et autres. On peut discuter entre le catharisme albigeois, le catharisme d'autres pays du Languedoc ou même d'ailleurs de la France, d'autres régions de la France. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se basait principalement sur euh, l'évangile de Jean. Je pense sur quelques psaumes et, et des écrits qu'ils ont eux-mêmes fondés, de façon à, à entretenir la, la discussion avec euh, les autorités. Alors, au fil du temps, euh, cette pensée qui était combattue aura dû disparaître. Or, euh, aujourd'hui, euh, c'est une pensée qui réémerge. Alors, Comment pourrait-on définir aujourd'hui quelqu'un qui se définirait, qui se présenterait du moins comme un gnostique au XXIe siècle? Alors, il y a deux aspects dans, dans, dans ces propos. Euh, C'est une pensée qui disparaît, qui réapparaît. Euh, C'est comme le serpent de mer. C'est une pensée qui ne disparaît jamais. Elle est toujours souterraine à toutes les cultures, à toutes les pensées, à, en parallèle à toutes les religions, au système de pensée. Mais effectivement, elle apparaît au sens où elle est exprimée. Et puis elle disparaît à nouveau parce qu'elle est combattue, oubliée, mais en général combattue, puis oubliée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que serait un, un gnostique aujourd'hui dans le monde occidental Puisqu'on peut très bien imaginer des gnostiques dans le monde euh, chinois, dans le monde bouddhiste, dans le monde indien, dans le monde euh, musulman, euh, dans le monde purement euh, scientiste, positiviste. Euh, un gnostique aujourd'hui, eh bien, reprendrait les thèmes de base du gnosticisme, c'est-à-dire euh, euh, quel, la, la question pourrait se poser, quels sont les 100 rois aujourd'hui Quelles sont les personnes qui n'ont pas besoin ou qui ne souhaitent pas d'autorité intermédiaire entre eux et la vérité, entre eux et le divin, entre eux et leur être profond, entre eux et, et la réalité Et viendrait le propos des qui est de dire, ce monde est gouverné par les archontes qui entretiennent le mensonge et l'illusion. Quels sont les archontes c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir sur la pensée, sur les émotions, sur euh, le portefeuille, euh, aujourd'hui on dirait, ou sur les, les, les médias. Quels sont ces pouvoirs Et puis de dire attention, ces pouvoirs vous mentent et entretiennent l'illusion. Donc le gnostique aujourd'hui serait celui qui dans, euh, reconnaît ça, mais non pas intellectuellement, le reconnaît profondément intérieurement. Et qu'est-ce que veut dire reconnaître ça intérieurement Eh bien, oser rentrer dans, dans tout ce qui est euh, non conscient, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui me fait penser comme je pense, qu'est-ce qui me fait aimer ce que j'aime, quelles sont mes croyances par rapport au monde établi, etc. Et ça crée un comportement où à un moment donné, le comportement gnostique d'aujourd'hui comme d'ailleurs et comme dans le futur, c'est le refus de ce monde. Non pas qu'il va mourir, mais le refus de rentrer dans l'illusion de ce monde qu'on appellerait aujourd'hui le paradigme du monde actuel. Quels sont les grands paradigmes aujourd'hui ben C'est le progrès, c'est le capitalisme ou le communisme ou l'organisation, c'est le, le refus de ça. C'est une voie qui libère premièrement de l'illusion du monde, du mensonge, et ensuite lorsqu'on prend conscience que ce mensonge et cette illusion font également partie non seulement de l'équilibre du monde extérieur mais de l'équilibre psychologique de l'individu, elle libère également un certain nombre de, de comportements inconscients, de croyances héritées, euh, de, de séparation entre foi et raison. de elle, elle, elle confère une connaissance particulière qui est le fruit de cette rencontre qui permet d'aller au-delà de la raison et au-delà de la foi sans les renier pour autant. Donc ça n'est pas une voie mystique, au sens où je médite et puis j'oublie le monde et, et je rentre dans des, dans, dans des intuitions. Ça n'est pas une voie dogmatique, bien sûr, puisque le dogme, c'est croire ce qui est imposé par l'extérieur. Mais c'est une voie qui, euh, qui va au-delà de ces, de ces deux aspects et permet une réunion. Et on retrouve ça dans l'évangile de Philippe exprimé sous cette forme, mais l'évangile de Philippe, qui est un des textes gnostiques de eh bien, insiste sur la chambre nuptiale. C'est-à-dire qu'il est important de rentrer dans la chambre nuptiale. Quelle réunion se fait dans cette chambre nuptiale Est-ce que c'est le divin et l'humain Est-ce que c'est l'inconscient et le subconscient Est-ce que c'est l'extérieur comme l'intérieur hum, C'est important. Et, et pareil, dans l'évangile de Thomas, on trouve des logions qui disent il faut faire le 2-1. Et vous serez les fils de l'homme, non pas les fils de Dieu. Donc c'est un réalisme particulier. Et la gnose, en tant que connaissance qui libère, elle ouvre les yeux sur une réalité qui, qui est au-delà de la raison et au-delà de la foi.